Vous n'auriez pas vu passer mon talon par hasard ou pas? Mais qu'est-ce que tu fais en caleçon? On se balade pas comme ça à poil dans la rue, grand. Mais mon pantalon est parti, je le cherche. Attends, t'es pas le lunatique qui jette des bananes par les fenêtres, toi? Mais j'ai lancé une banane normale, mais j'aurais pu jeter une banane à pantalon. Bleu ou pas, c'est impossible de tomber à cause d'une banane. Les fruits frais ne sont pas des armes. On est dans la vraie vie, pas dans un cartoon. Mais je faisais comme dans Mario Kart, un peu. Mais vous avez pas vu passer mon pantalon? Au lieu de courir après, tu ferais mieux de trouver une occupation plus enrichissante, comme maraîcher. On aura toujours besoin de maraîchers. Réfléchis à ça, on va tous devenir inutiles à cause des intelligences artificielles. Mais pas les maraîchers. Et ils vendent aussi bien des... Bon, il est parti par là. Merci. Hé, hey, grand, ton pantalon est reparti par là. Okay. Il a continué dans la même direction sans s'arrêter. Je crois qu'il doit tourner en rond, je vais avoir du mal à le rattraper. Bah, pas si tu tournes dans l'autre sens. C'est ça qu'il me faut! Mais oui, bien sûr, c'est ça, mais oui! Ou alors tu t'achètes un nouveau pantalon? À moins que celui-ci ait une signification particulière? T'as été légué par ton grand-père? T'as décidé de le porter tous les jours jusqu'à ce que ton père revienne? D'où est-ce que tu sors ça, toi? Grâce à lui, t'es accepté par tes amis? Au travail? Par la société? Non, j'essaie juste de retrouver mon pantalon et c'est normal que j'y mette les moyens. Mais normal ou pas, c'est dangereux ce que tu fais. Tu pourrais blesser quelqu'un. Mais non, mais... Les gens sont pas cons, ils vont bien voir que c'est un piège à pantalon et pas à humain. Ouais. Et tu vas continuer de me dire que c'est pas dangereux ton truc là? Non, parce que quitte à piéger ton pantalon, t'aurais pu trouver plus simple. Genre un piège à ours par exemple. Tu peux pas te tromper avec un piège à ours. Un piège à ours? Pour piéger un pantalon? Vraiment, tu connais rien. Bon, Danger Boy, comment je peux t'aider? Tu t'y connais en pâtisserie? Et donc, t'as vraiment rien à faire de ta journée? Tu vois, je suis en train d'essayer de retrouver mon pantalon et j'ai pas vraiment l'impression que tu veuilles m'aider là. Disons que c'est pas tous les jours que je vois quelqu'un se démener autant pour un pantalon. J'ai connu ça avec mon ex-femme. On était comme les deux moitiés d'un même livre, fait l'un pour l'autre. Enfin, jusqu'à ce que je veuille en faire une trilogie. Et elle a refusé. Pourtant, la plupart des bonnes choses vont souvent par trois. Le Seigneur des Anneaux, la Sainte Trinité ou les packs de crème fraîche. Bon, on a presque fini. Comment presque? Tout fonctionne. Qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est un piège à pantalon, faut le peindre en bleu. Tu fais quoi dans la vie, toi, sinon? Eh bien, moi, je... Il arrive, on se cache. Thank you.
Bonjour et bienvenue dans mon émission. Première question. Quelle est la capitale du Cambodge? Amsterdam, Marseille ou Athènes? Amsterdam. Oui, 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 oui. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi le piège est repeint en jaune? Je l'ai repeint. Ça allait mieux avec le reste de la rue. Mais c'est pas une question d'esthétique! T'as changé le piège à pantalon en piège à moi! Pardon, non. Je pensais bien faire. C'est qu'avec tout ce que vous avez vécu tous les deux, vous devriez pouvoir apprécier une rue joliment arrangée ensemble. Sinon, pourquoi continuer côte à côte? La vie n'est pas une machine de blanc. On déteint tous les uns sur les autres. Si tu n'es pas prêt à recevoir des taches bleues de jean, alors tu dois cesser de suivre ce pantalon. Mais c'est lui qui me poursuit et il veut me tuer! Alors rends-toi utile et aide-moi! Définitivement une relation toxique. Et ma femme qui disait que je pouvais pas les voir, mais seulement les créer. J'ai bien évolué depuis qu'elle m'a quitté. Je devrais lui laisser une seconde chance. Tu crois que je devrais la rappeler? T'as raison, je vais le faire tout de suite. T'es sérieux? C'est la troisième fois cette semaine. Je t'aime.